Bah voilà, jour de finale, les deux équipes se qualifient. L'AB, grosse mission. Premier rendez-vous de cette journée, de ces finales, centre Fresno. Pour nous, 7h30 au local, avec petit déjeuner. Pour se mettre vraiment dans l'ambiance et fidéliser le groupe pour la journée. Remise des maillots au local par les coachs. Suivi du départ à 8h pour Beaune. Voilà, journée on ne peut plus longue pour les joueurs de la B et de la A aussi, puisque eux jouaient à 16h30 et nous jouons à 11h30. Papa, pour être précis, dans le cœur pour les couleurs et dans les couilles. Une grosse paire de couilles. Une grosse paire. Donc on va rentrer sur le terrain, il n'y aura pas de temps mort. Il n'y aura pas de temps mort. Voilà, donc arrivé à Beaune un petit peu juste en timing, hein, on a eu 20 minutes pour se trapper, se préparer. Les finales, on sait comment ça se passe, les vestiaires, beaucoup de monde. Il faut absolument être dans son match, donc on fait abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. Puis début du match, la pluie commence à tomber, donc les conditions climatiques et pluvieuses nous ont pas forcément avantagé puisqu'on voulait vraiment faire du jeu. Mais, elles ne nous ont pas pour autant empêché de le faire, puisque on a quand même mené cette partie du début jusqu'à la fin. On avait à cœur de se racheter parce qu'on a quand même fait des prestations très moyennes depuis une bonne moitié de saison. Donc on était attendu. Match très engagé, à notre avantage principalement. On n'arrive pas à marquer. On est à une bonne 5, 6, peut-être 7 fois sur leur ligne. Des 5 mètres, on arrive même à franchir la ligne. L'arbitre ne voit pas la balle, donc il n'accorde pas l'essai. On repart pour une mêlée à 5 et là on fait des ballons très approximatifs. On n'est pas bon sur les transmissions. On peine à franchir le premier rideau défensif et on ne marque pas, on ne score pas. Voilà. Ça se conclut par 3 points en fin de match. On prend et on n'arrive pas à scorer jusqu'à la dernière seconde, on pilonne sur la ligne de 5 mètres et voilà, match perdu, donc gros regrets, des gros regrets et une saison belle mais qui aurait pu mieux finir. Rarement vu une équipe dominée autant territorialement, en possession de balles et pas marquer, pas arriver à marquer. Maintenant, voilà, c'est un axe de travail. Ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas mis au fond. Et puis à la fin, voilà, ce qui devait arriver arriva. Chenov met une pénalité et voilà, le rêve de tout un groupe s'évapore. C'est une leçon, c'est une bonne leçon aussi pour la suite. J'espère que les joueurs en tireront les conséquences et que déjà dans l'investissement, dans la préparation, il n'y a pas de secret. Au final, c'est beau à jouer, mais ça se prépare bien, ça se prépare toute une année. Et voilà, donc on est un petit peu amer, le staff, on est un peu amer parce que ça aurait été grandiose de ramener le bouclier à Saint-Léger. Maintenant, l'année prochaine.